parole à Madame Danielle Sassou-Nguesso, qui va nous parler de la relation entre le genre et le développement. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cet événement pour avoir donné une voix à la société civile que je représente, la Fondation Sunga. Nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder un thème, un défi d'ordre socio-culturel que nous sommes tous à même de pouvoir résoudre au sein des différentes positions que sont les nôtres dans la société et pour lequel vous, mesdames parlementaires, avez un rôle que de transformation sociale. Il m'a également été demandé que d'interpeller les parlementaires que vous êtes sur la nécessité de revenir aux fondamentaux premiers de leur engagement, c'est-à-dire initier des textes de loi. Vous savez, dès 1963, au lendemain des indépendances, les femmes congolaises qui ont également contribué à l'effort de décolonisation se sont vues octroyer le droit de vote, symbole d'une promesse de leur inclusion véritable au sein de la société, et ces efforts ont été poursuivis avec l'arrivée au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso, qui a inséré au sein de notre législation nationale des textes ratifiés à l'international tels que la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes en 1982, ou alors le protocole de Maputo en 2004, afin de permettre aux femmes congolaises de garantir leurs droits. Pourtant, il subsiste encore un gouffre abyssal entre les textes et la réalité. Les femmes sont quasiment inexistantes des sphères sociopolitiques et économiques de notre pays, et vous conviendrez avec moi que cette asymétrie des genres n'est pas uniquement palpable au sein de la cellule familiale, mais se répercute à toutes les strates de l'État. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que nous notons encore des discriminations au sein de nos dispositions législatives, que ce soit dans le domaine du travail, de la famille, de l'éducation ou de la santé. Alors nous, les femmes, et en particulier vous, femmes parlementaires, représentez le dernier rempart pour la défense des droits des femmes et de l'égalité de genre, et vous avez un devoir, celui que d'interpeller l'État à prendre ses responsabilités. Mais afin de mieux comprendre cette problématique de genre, il convient de dresser un panorama global de ce que la situation. Alors, notre monde connaît de profondes mutations. Le continent africain attire chaque année des investisseurs internationaux et malgré de belles performances économiques, la situation des femmes reste toujours alarmante. Sur les 774 millions d'analphabètes, 2/3 sont des femmes. Sur les 1,2 milliard de personnes qui vivent avec moins d'un dollar par jour, 70% sont des femmes. Les femmes produisent les 2/3 du travail mondial, mais ne perçoivent que 10% des revenus, elles n'ont qu'accès à 1% de la terre. Et une femme sur trois connaîtra au moins une fois dans sa vie un épisode de violence d'ordre physique ou sexuel. Sur les 16 millions de jeunes filles qui se retrouvent en état de grossesse précoce chaque année, 3 millions d'entre elles se feront avorter clandestinement. C'est dire que les femmes rencontrent encore de nombreuses entraves d'ordre social, économique et institutionnel. Et pourtant, ce sont de formidables agents économiques avérés qui produisent 75% de la production agricole, mais ne perçoivent que 10% de ses revenus. Alors, il faut bien comprendre que la clé du développement repose sur une inclusion des hommes et des femmes sur le même pied d'égalité avec un égal accès aux droits, un égal accès au travail de façon à capter la valeur ajoutée de tous. La Banque mondiale nous dit que si nous prenions en compte les questions de genre au sein de toutes nos politiques publiques, eh bien, la productivité économique serait accrue de l'ordre de 10%. Si nous n'y parvenons pas, c'est parce que nous n'arrivons pas encore à mettre en adéquation les notions de genre et de développement. Beaucoup pensent encore le développement comme une succession de projets d'infrastructure, mais nous parlons ici d'un développement inclusif, le seul à même d'engendrer un développement durable, et tant que nous n'intégrerons pas les 52% de la population, soit la majorité, à la prise de décision ou à l'effort de développement, alors, penser une émergence à l'horizon 2025, voire 2030, ne relève même plus du rêve, mais quasiment de l'utopie. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les questions de genre ne sont pas nées au sein des mouvements d'associations féminines, mais ont vu le jour en 1970 aux États-Unis. C'est la résultante d'une étude qui vise à analyser les comportements attribués aussi bien aux femmes et aux hommes par la société. Alors, à titre d'exemple, je ne sais pas, il y a des gens qui pensent qu'il y a des métiers uniquement réservés aux femmes et d'autres uniquement réservés aux hommes. C'est ce qu'on appelle un construit social. Ou alors, qui disent que les femmes sont meilleures cuisinières que les hommes. Nous contribuons à renforcer les construits sociaux en ayant des idées telles que celles-ci. D'ailleurs, nous savons depuis longtemps que la majorité des grands chefs étoilés de la planète sont des hommes.
Enfin, ceci pour dire que cette multitude de construits sociaux sont des dogmes, des pseudo-vérités érigées par la société pour ranger d'une part les femmes et d'une autre part les hommes. Alors ces responsabilités dans la société varient donc en fonction des cultures, des traditions et des peuples. Mais il faut savoir que l'État peut changer ses mentalités. L'État peut profondément contribuer à l'évolution des attitudes liées au genre. Afin de mieux comprendre la nécessité que d'intégrer cette problématique genre, il faudrait aussi savoir ce qu'est la notion d'égalité, parce que ce sont deux notions qui sont étroitement corrélées. Nous parlons ici d'une égalité qui permettrait à chacun, homme comme femme, d'avoir la liberté de choisir, de décider, d'avoir ses propres ambitions, au-delà des responsabilités assignées à chacun par la société. Parce que nombreux sont ceux, lorsqu'ils entendent encore parler d'égalité homme-femme, la réduisent à la définition simpliste de dire que l'homme et la femme sont pareils. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une égalité homme-femme qui donnerait un égal accès aux droits, un égal accès aux chances, un égal accès aux opportunités de choisir ou aux conditions matérielles en tenant compte des spécificités de chacun. Le genre est profondément ancré dans nos cultures, dans nos traditions et nous baignons dedans depuis notre plus jeune âge. Et cela a eu pour incidence que de hiérarchiser les rôles en donnant une suprématie finalement incompréhensible aux hommes. Mais ce n'est pas un problème uniquement congolais. C'est une question mondiale, d'ordre mondial. C'est vrai, les hommes s'intéressent davantage aux questions d'ordre socio-économique et politique. Mais vous conviendrez avec moi que véritablement au Congo-Brazzaville, cette asymétrie des genres est plus que palpable. Nous devons donc de la dénoncer, de la pointer du doigt. C'est d'ailleurs ce que recommande toutes les organisations internationales qui ont porté de façon prépondérante la question des genres au sein de leurs agendas. Et il serait contre-productif de continuer à travailler avec uniquement des femmes sans y intégrer les hommes dans ce processus de transformation. Vous savez, de nombreuses femmes rencontrent encore des entraves lorsqu'elles veulent s'engager en politique parce que pour elles, l'enjeu est double. Il faut donc obtenir l'adhésion du clan, mais aussi de l'époux. Et pour celles qui parviennent finalement à franchir ce plafond de verre, elles n'en demeurent pas moins des mères de famille, des épouses, responsable donc d'une cellule familiale, et c'est malheureusement à cet emploi premier qu'elles seront jugées par la société. La société n'ira pas les juger en tant que chef d'entreprise compétente ou bonne politicienne, mais les jugera toujours à leur capacité à être des bonnes mères ou de bonnes épouses. Alors donc, autant de barrières qu'il faut encore franchir pour celles qui désirent s'engager en politique. De nombreux pays ont décidé de promouvoir davantage des femmes à des fonctions politiques, et lorsque l'on analyse les parlements des pays européens ou du Japon, ils ne comptent pas autant de femmes que le parlement du Rwanda ou du Sénégal, qui affichent d'ailleurs des taux de croissance enviés par tout le continent et qui sont souvent cités en exemple pour leur exemplarité politique. Alors s'il y a des pays qui arrivent, il conviendrait que d'autres s'interrogent encore, à savoir quelles sont les barrières qui empêchent davantage d'implication de femmes en politique. En tant que citoyenne congolaise, je me suis personnellement posé la question. Et le résultat de cette étude est d'ailleurs porté au sein d'un ouvrage intitulé « Genre et développement en République du Congo » disponible chez l'Armatan. Chez nous, au Congo, l'implication des femmes en politique est quasiment marginale. Et même nos plus hautes instances politiques ne sont pas à féliciter parce qu'avec 8 femmes au gouvernement, je crois que nous oscillons autour d'un taux de représentativité féminine de l'ordre de 22%. Et lorsque l'on analyse la composition des deux chambres du Parlement, nous arrivons à 14% de représentativité féminine. D'ailleurs, le dernier rapport interparlementaire a classé le Congo 148e sur 172 États, ce qui est un bien piètre résultat. Et avec 14% de taux de représentativité féminine aux deux chambres du Parlement, nous avons l'un des taux le plus bas de l'Afrique subsaharienne. Et cette exclusion a un coût, oui. Le PNUD nous dit que lorsque dans un pays subsiste encore un écart genre de l'ordre de 1%, ce pays voit son IDH chuter de 0,75%. C'est pour dire que la question des genres n'est pas uniquement corrélée aux droits de l'homme ou aux droits de la femme, mais a véritablement un impact sur notre développement et notre économie. Alors, abondant dans ce sens, l'État a pris des résolutions, notamment au sein de la Constitution de novembre 2015, avec l'article 17, qui garantit dorénavant l'égalité juridique entre l'homme et la femme en République du Congo. Pourtant, nous continuons à subir des discriminations au sein de nos dispositions législatives, notamment au travers des différents codes, le Code de la famille qui date de 1984. Et ces injustices, il vous convient à vous, femmes parlementaires, que de les résorber au travers d'un changement bénéfique. Tant qu'il n'y aura pas davantage de femmes promues à des postes de responsabilité, elles ne pourront pas envoyer le message, même ne fût-ce que le message virtuel à d'autres femmes, que de dire « j'ai essayé, vous avez vu et j'ai réussi ». Le dernier rapport de la Banque mondiale 2016 intitulé « Les femmes, l'entreprise et le droit » dénonce d'ailleurs ces injustices.
Je tiens donc à profiter de la tribune qui m'est offerte pour interpeller les parlementaires que vous êtes sur le fait qu'il existe encore de nombreuses discriminations au sein de nos dispositions législatives, code pénal, code de la famille ou code électoral. Je ne pourrais pas citer toutes ces inégalités aujourd'hui. Il faudrait travailler de concert avec l'Association des femmes juristes. Au niveau du code pénal, par exemple, il y a toujours les dispositions relatives au délit de l'adultère qui ne sont pas pénalisées de la même manière pour l'homme et la femme. Alors pour l'un, il s'agit d'une amende, pour l'autre d'une peine d'emprisonnement. Au sein du code de la famille, l'âge légal du mariage diffère selon qu'on est un jeune homme ou une jeune fille, 18 pour certains, 21 pour d'autres. Il y a encore la loi sur la polygamie qui est en totale inadéquation avec la notion d'égalité juridique telle que portée au sein de la loi fondamentale. Il y a la dot ou le prémariage qui n'est toujours pas encadré et la question de la veuve mariée coutumièrement qui ne peut toujours pas hériter de son défunt mari. Au niveau du code électoral, nous avons donc l'article 61 nouveau du code électoral 40-2014 qui garantit donc un nombre effectif de femmes au sein des listes électorales. Mais en prélude aux dernières élections qui sont passées, je sais que les associations féminines ont manifesté, notamment au travers de campagnes d'affichage, pour demander le respect de cette loi, mais rien n'y a fait. Parce que malheureusement, il subsiste une carence. Cette loi n'est adossée à aucun caractère coercitif ni amende qui obligerait les partis politiques à se soumettre. Alors ces dichotomies, ces vides juridiques, il vous convient à vous, parlementaires, que de les combler. Et ce manque de garantie constitutionnelle a des répercussions néfastes sur les femmes, par exemple, au sein de la famille. Il y a la question des rites du veuvage, qui sont encadrés par les articles 798 et 806. Mais nous savons tous que ces rites du veuvage outrepassent la loi. Pour la veuve, au-delà de l'aspect que d'avoir perdu quelqu'un, un être cher, elles sont souvent expulsées de leur domicile et de surcroît se voir retirer tout bénéfice d'héritage. Je vais revenir quand même sur la notion de polygamie, je sais que ça en crispe plus d'un, mais il faut savoir qu'aujourd'hui nous avons une loi fondamentale et il n'y a rien au-dessus de la loi fondamentale. La loi fondamentale vient coiffer toutes les autres lois. Et cette loi fondamentale nous dit qu'aujourd'hui, au Congo, l'homme et la femme sont égaux en droit. Et en dessous, il y a toutes les autres petites lois, notamment le code de la famille, qui vient nous dire que non, en fait, il y en a un qui a le droit d'épouser plusieurs femmes et l'autre qui ne bénéficie pas du même droit. Alors je m'interroge parce que lorsque je regarde un petit peu les chiffres, je ne pense même pas qu'au Congo nous ayons 10% de mariages polygames légaux. Je ne pense même pas que nous atteignions les 8%. Alors à quoi bon continuer à conserver une loi jugée comme inégalitaire par l'ensemble des organisations internationales qui l'affiche comme véritablement discriminatoire en l'endroit des femmes au seul prétexte du dédouanement moral et du respect de l'identité culturelle? Le débat d'aujourd'hui n'est pas de savoir si vous adhérez ou non au projet, ou si vous décidez ou non de faire évoluer la loi. Le débat d'aujourd'hui est de savoir que dit la loi et comment l'appliquer. Eh bien, malheureusement, cette loi, elle existe déjà pour tous les réfractaires. La loi dit que l'homme et la femme sont égaux juridiquement en République du Congo. Nous ne parlons pas ici d'une modification ou d'un amendement de la Constitution, mais de veiller à la bonne application de celle-ci, et cela découle de vos attributions en tant que parlementaire. Il y a également la question des violences d'ordre physique, sexuel ou psychologique qui sont très peu dénoncées en République du Congo. Je pense que c'est parce que les femmes ne connaissent pas leurs droits et ne peuvent donc pas les revendiquer. Mais parmi toutes ces violences, nous devons quand même marteler la question du harcèlement sexuel, que ce soit dans la sphère publique ou privée, qui reste une pratique courante et qui malheureusement n'est pas encore pénalisée en République du Congo. On se demande encore pourquoi. Le manque d'accès à l'éducation, c'est vrai que l'État garantit un égal accès à l'éducation pour la jeune fille et le jeune garçon. Et cela se traduit véritablement en cycle d'études primaires. Mais nous savons qu'à partir de la classe de 4e, il y a une forte déperdition scolaire qui produit à cet effet d'entonnoir. Et très peu de jeunes filles finalement accèdent à des études supérieures. Il revient encore une fois de plus à vous, chers parlementaires, que de veiller à garantir une égalité de droit entre l'homme et la femme en République du Congo. Je ne sais pas quel est votre ressenti, mais moi je suis toujours profondément meurtrie de me rendre compte que le Congo caracole toujours en queue de peloton. Nous sommes toujours les mauvais petits canards et cités en mauvais exemple. Et lorsque je me rends à des séminaires à l'étranger et que je rencontre des délégations qui viennent d'autres pays pour véritablement faire état des avancées qui se passent chez eux, j'aimerais bien de temps en temps moi aussi rapporter de telles transformations au sein de mon pays, le Congo. Alors, il serait facile de rentrer dans la caricature, de dire que oui, mais il s'agit de nos traditions, nous sommes des pays africains, c'est comme ça qu'on évolue. Vous savez, le Rwanda nous a donné tort depuis longtemps, parce que c'est aussi un pays africain. Et pourtant, ils sont classés 5e sur 144
loin devant la France qui arrive en 17e position. Et je ne vous donne même pas le classement du Congo. Alors en conclusion, j'ai eu l'opportunité que de regarder les minutes parlementaires des législatures précédentes et je me suis rendu compte que les femmes prenaient très peu la parole. La société civile que je représente remercie donc l'ensemble des parlementaires pour les travaux de forage ou d'adduction en eau, d'infrastructures que vous réalisez dans vos différentes circonscriptions. Mais ce n'est pas là le rôle premier que du député. Le rôle premier du député outrepasse tous ces beaux projets. Alors, nous, société civile, notre attente est grande. Tant qu'à l'héritage que vous laisserez au sortir de cette législature. Peut-être l'initiative d'un texte de loi qui pourrait porter votre nom, à l'instar de la loi Simone Veil, qui a fait rayonner la France. Alors, chers honorables, osez entrer dans l'histoire du panthéon de votre pays. Osez rentrer par vos forces de proposition et légiférer davantage. Parce que sans des lois encadrant le devenir des femmes, nous pourrons rester là et débattre encore pendant des heures sans avoir des avancées véritables. Vous êtes, honorables parlementaires, les porte-voix de la nation, alors faites-vous écho du choix qu'a fait cette nation lorsqu'ils ont voté la dernière constitution, c'est-à-dire l'égalité juridique de l'homme et de la femme en République du Congo. Je vous remercie.